وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Une fois que les preuves évidentes elles viennent, une fois que la science elle vient, une fois que la vérité elle vient, là les gens se divisent. Et cette division, elle est madmouma, répréhensible. Pas comme certains disent, la divergence de ma communauté c'est une rahma. Ça c'est même pas un hadith, il est inexistant. Cette parole elle est inexistante, introuvable. Cheikh l'Albani il a dit, elle est introuvable. Je sais même pas ce qu'il l'a inventé. Et au contraire, tous les versets et les hadiths ils prouvent que la divergence... c'est répréhensible, on ne doit pas la chercher. Mais c'est une chose qui va arriver. On ne peut pas y échapper. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, mais on ne doit pas la chercher. On ne doit pas faire les causes pour la mettre en pratique. On doit faire les causes pour unir les gens sur la vérité, sur le Coran et la Sunna. Pas unir sur n'importe quoi. Naam.